la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba, qui sont essentiellement minières, ont été, si vous voulez, listés comme ayant enregistré le taux de déforestation le plus élevé par rapport aux autres provinces en RDC. Mmh. Principalement à cause, premièrement, de l'activité minière, qui est intense. Vous savez que la capitale mondiale du cobalt, c'est le Lualaba. Donc il y a des mines à ciel ouvert, de grande envergure, de très 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 grandes dimensions. Le deuxième facteur ou moteur de déforestation, sans pour autant justement être les derniers, c'est la carbonisation. Donc tous ces arbres que vous voyez là, il y a des arbres de très haute valeur économique qui peuvent être, n'est-ce pas, exploités dans les scieries et autre chose, mais on les fait passer dans la carbonisation. Et c'est une activité aujourd'hui très rentable, mais qui fait partir toute la forêt en fumée.